Merci, Monsieur le Président. Au sujet de cette coopération territoriale, je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour votre élégance. Pourquoi je dis ça? Parce que le magazine de la Métropole qui est sorti ces jours-ci fait un gros focus, un véritable dossier sur ce dossier essentiellement et surtout sur les coopérations de manière globale. Et le texte, c'est pour ça que je parle d'élégance, commence en reconnaissant très honnêtement que cette idée n'est pas nouvelle. Effectivement, cette démarche a été initiée par Alain Juppé lors de l'ancienne mandature. Nous l'avions appelé Bordeaux Métropole Coopérative avec Mylène Villanov, dessiné le contrat dès 2016, donc ce n'est pas nouveau du tout, effectivement, avec Libourne et la Cali, mais également avec Angoulême et le Val-de-Garonne, Marmande. J'ai eu l'honneur, effectivement, à titre personnel ensuite, de poursuivre cette ambition de manière beaucoup plus proximale, et c'est ce que vous continuez de faire, et j'en suis très heureux, en signant notamment deux lettres d'intention, ça pèse, ça compte, hein, de coopération avec le PNR Bordeaux-Médoc, PNR-Médoc, pardon, et le bassin d'Arcachon, en fin de mandat. Merci de votre élégance, ce n'est pas nouveau. Vous le continuez, et c'est très bien, vous l'intensifiez, et tant mieux, et nous devons continuer, notre métropole doit continuer surtout à dialoguer. Et je pense qu'elle doit aussi intensifier ce dialogue, bien sûr, avec les territoires très proximaux qui nous entourent. Ça sera dans un esprit gagnant-gagnant, bien évidemment. Et dans cet esprit, l'exemple de Bordeaux Métropole Énergie à Saint-Laurent en est bien l'illustration. Ceci va dans le bon sens et bien évidemment, nous voterons cette proposition très volontiers. Merci pour votre attention.